Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Hop, je fais mes petits réglages comme d'habitude. Je suis ravie, contente d'être avec vous ce matin. Je remercie Dialine d'ailleurs de me permettre de faire ce petit live sur son groupe. Je suis ravie d'être là, ravie d'être parmi vous. Dites-moi dès que vous êtes connecté, faites-moi un petit pouce, un petit coucou, un petit quelque chose, voilà, que je puisse voir s'il y a du monde avec moi pour que je puisse commencer à vous raconter. J'avais envie de vous transmettre, de vous raconter mon parcours, de vous donner des conseils aussi pour votre organisation à domicile, et puis aussi de vous parler de Dialine et de ses formations. Voilà, donc dites-moi si vous êtes là, faites-moi signe, faites-moi un petit pouce, un petit j'aime, un petit coucou. Voilà, dites-moi si vous êtes là, si vous êtes présente, que je puisse commencer tranquillement ce live. On attend quelques minutes encore pour celles qui veulent se connecter ce matin. Il est 11h. Oui, voilà, je regardais à peu près. 11h, 11h01, exactement. Donc voilà, je suis là avec vous ce matin pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous raconter un petit peu mon parcours, des conseils d'organisation, et puis vous parler de Dialine et puis de ses formations. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie, à me communiquer des choses, soit en dessous ce live ou soit en replay plus tard, il n'y a pas de souci, je répondrai. Voilà, donc je vais commencer, je vais vous parler de mon parcours, de moi. Alors je suis Manon Rimbaud, j'ai 46 ans. J'ai trois enfants, deux grands adultes qui sont plus à la maison et une petite. J'ai longtemps, pendant une vingtaine d'années, été aide-soignante en cancérologie, en orthopédie, auprès de personnes lourdement handicapées. Voilà, et puis j'ai... Bonjour Dialine, hello, tu vas bien? Voilà. Donc je disais oui que voilà, j'étais pendant une vingtaine d'années aide-soignante, et puis j'ai eu des soucis de santé, des gros soucis de santé, des soucis d'épaule qui m'ont, voilà, fallait que j'arrête mon métier d'aide-soignante que je faisais avec passion. Et puis c'est là que j'ai découvert le MLM. Alors moi je suis rentrée par le MLM, mais par les produits. Voilà, j'ai d'abord consommé les produits. Et c'est ça qui m'a permis justement de me soigner, de me faire du bien à mes douleurs, à mes insomnies, voilà, tout ce qu'on peut avoir quand on n'est pas bien. Et ensuite, voilà, je suis rentrée dans le MLM, dans le marketing de réseau, vraiment pour une reconversion professionnelle, parce que j'avais plus rien, j'avais plus de métier, j'avais plus rien. Donc voilà, c'est vraiment été une reconversion professionnelle pour moi. Le MLM, et ça m'a permis, voilà, ça m'a permis d'avancer, de me reconstruire, de rencontrer du monde, d'aider les autres. Et puis bon, j'ai monté une équipe, voilà, comme vous toutes, j'ai monté une équipe. Et puis voilà, je me suis rendu compte que dans mon équipe, il y avait des personnes qui étaient un petit peu mal organisées, qui avaient du mal avec leur activité professionnelle à la maison, avec leur vie familiale. Voilà, donc j'avais envie ce matin justement de vous donner quelques conseils pour vous aider vous aussi si vous avez des petits problèmes d'organisation, on va dire, à notre domicile, parce que c'est pas toujours évident de faire son activité professionnelle à son domicile avec la vie personnelle, la vie familiale, la vie active en tant que maman qu'on mène aussi, hein, voilà, on a pas mal de choses qu'on mène de front, donc c'est pas évident. Donc voilà, je me voulais vous donner quelques conseils. Alors pour moi, c'est vraiment des conseils, je dirais, de base, on va dire. Voilà, tout simplement des petits conseils qui vont vous aider. Pour moi, le premier conseil, c'est voilà, c'est de mettre un réveil le matin.
Ça a l'air tout simple, tout bête, mais c'est pas évident pour tout le monde. Je vous conseille de mettre un réveil le matin avant 8 heures parce qu'on est le notre concentration est bien, notre cerveau se concentre mieux le matin pour votre activité, pour tout ce que vous avez envie de faire le long de votre journée. Voilà, il faut bien démarrer le matin, pas avec une alarme stridente, parce que votre corps et votre cerveau ne va pas aimer une alarme stridente dès le matin. Voilà. Je peux aussi vous donner comme conseil de vous habiller, de vous coiffer, de vous maquiller. Voilà. D'être présentable, comme si vous sortiez à l'extérieur, comme si vous aviez plein de personnes qui arrivaient chez vous. Enfin voilà, soyez présentable. Ça, ce sont des conseils importants aussi. Soyez présentable, ne restez pas en pyjama. Voilà, ça, non, c'est pas possible. Voilà, c'est des petits conseils. Ayez aussi un endroit où vous puissiez travailler, un espace de travail où vous puissiez être bien, pour bien travailler, bien concentré, un endroit inspirant, beau, voilà, qui est vraiment que c'est vous qui avez créé et que c'est votre endroit à vous, personnel. Et voilà, ça va vous aider, ça aussi, à avancer, à avoir envie de développer votre activité, développer votre business. Ça aussi, c'est important. Vous créez aussi des créneaux d'horaire. Ça, c'est tout bête, mais c'est important aussi, parce que bien souvent, ça évite la procrastination. Voilà, on se dit, oh, ça, je le ferai le lendemain, je le ferai demain, ou je le ferai plus tard, ou je le ferai cet après-midi, et on repousse, et on repousse, et on repousse, et finalement, on fait rien. Enfin, c'est pas qu'on fait rien, mais un petit peu quand même. Donc voilà, c'était un peu ça aussi que j'avais envie de vous conseiller, de vraiment inclure dans votre journée, dans votre matinée, dans votre après-midi, dans votre soirée aussi si vous travaillez le soir, d'inclure vraiment des créneaux de travail et de vous y tenir, c'est important. Que ce soit par exemple, je ne sais pas, de 9h à 11h, de 14h à 16h, voilà. Comme ça vous oblige, vous, à vous dire dans ces créneaux de travail, je travaille pour mon activité professionnellement, voilà, c'est vraiment, vraiment important. Et comme ça vous oblige à vous concentrer et vous êtes vraiment concentré sur votre activité et pas sur le lave-vaisselle à vider, les fenêtres à laver, le ménage, voilà. Des choses un petit peu voilà, qui des fois nous déconcentrent parce qu'on y pense, parce que voilà. Donc c'est vraiment Dialine qui dit oui, avoir un bureau à soi, décoré à son goût, exactement, c'est très apaisant et inspirant, tout à fait, tout à fait. C'est tout bête, mais c'est voilà, un endroit où vraiment on a envie d'être là, qu'on est content de retrouver. Moi je sais que le matin, voilà, je suis contente de retrouver mon espace de travail, c'est mon endroit, c'est mon lieu, c'est moi qui l'ai créé. Et ça aussi, c'est valorisant aussi quelque part. Et on est content d'être là, et puis ça nous motive, on est active et c'est important. Voilà, Dialine aussi qui conseille aussi, tout à fait. Voilà, j'avais aussi envie de vous donner un autre petit conseil. Le dernier, c'est de garder en fin de journée 15-20 minutes, jusqu'à 30 minutes, mais pas plus, pour préparer vos tâches importantes. Que vous devez faire le lendemain. Voilà, c'est important de travailler, de préparer la veille les grandes tâches, les grosses tâches qu'on a envie de faire le lendemain. Ça aussi, c'est important. Prendre 15-20 minutes, ça voilà, ça suffit en fin de journée pour vraiment lister les choses qu'on a envie de faire, que c'est vraiment voilà, que c'est important pour nous et de les mettre comme ça le matin. Quand vous attaquez votre journée, que vous commencez votre journée, voilà, vous savez ce que déjà d'entrée de jeu, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez bon les grosses lignes, mais voilà, d'entrée de jeu, vous pouvez attaquer votre journée et vous savez ce que vous avez à faire, vous ne perdez pas un quart d'heure, 20 minutes à savoir ce que vous allez faire, où, comment, voilà. Déjà là, voilà, vous avez déjà préparé la veille ce que vous allez faire, et ça aussi c'est important. Voilà, ça permet de s'organiser le long de la journée, d'avoir ce qu'on a, de voir ce qu'on a à en faire. Voilà, c'est vraiment aussi important. Voilà, toutes ces petites
conseils, voilà, j'avais envie de vous les partager avec vous. Moi, j'ai créé un guide par rapport à ça, justement, l'organisation qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur à notre domicile, que ce soit l'organisation, qui n'est pas toujours facile de concilier l'organisation professionnelle et personnelle, familiale. Voilà. Et c'est grâce à Dialine, oui, je le dis, c'est grâce à Dialine que moi j'ai pu vraiment créer ce guide. Et ça m'a permis vraiment de développer mon business, de développer mon activité, de développer mon réseau. Voilà, moi j'avais vraiment envie de vous parler de Dialine, de ses formations, mais surtout aussi de Dialine elle-même, parce que c'est une personne qui est accessible, qui donne envie, voilà, qui a énormément d'idées, qui donne plein de conseils, elle est toujours là pour vous répondre aux moindres petites questions, le moindre petit problème, elle trouve toujours des solutions, elle est toujours là pour nous. Et ça, je trouve ça vraiment formidable, parce que bien souvent, on peut des fois avoir accès à des formations, mais derrière, il y a, je dirais qu'il n'y a personne concrètement. Tandis que là, bon, même si elle n'est pas là physiquement, elle est toujours là à nous répondre à nos messages, elle est, voilà. C'est vraiment ça aussi important, qui est important pour moi, parce qu'il y a vraiment un suivi, un coaching derrière impressionnant. Grâce à ces formations, j'ai fait ces formations, j'ai fait surtout la formation MLM Booster, qui est vraiment simple, accessible à tout le monde. On n'a vraiment qu'à suivre vraiment ce qu'elle met en place. C'est sous forme de sa formation est en ligne, sous forme de vidéo. On a vraiment qu'à suivre pas à pas tout ce qu'elle décrit, tout ce qu'elle fait et à refaire tranquillement chez soi. Et voilà. Et en plus, bon, comme je vous disais, si on a le moindre question, il y a un groupe privé où on peut poser des questions, on peut partager nos idées, partager tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est en train de créer ou de faire. Voilà, donc moi ça m'a permis justement de faire mon guide, de créer mes tunnels, de voilà. Alors moi en informatique j'étais pas très douée, il faut dire ce qu'il est, pas très voilà, mais voilà, Dialine est là, elle est là pour nous conseiller, nous guider. Et c'est vraiment important. Et sa formation, moi, elle m'a libérée. Je vous explique, elle m'a libérée du temps. Sa formation est faite pour que tout soit automatisé. Donc, ça nous permet d'avoir du temps, du temps pour faire autre chose. Parce que, voilà, on dit bien souvent que le temps c'est de l'argent, oui c'est un peu ça. Donc c'est voilà, c'est important aussi que comme ça ce temps-là, je le fais pour faire autre chose, pour ce que j'ai envie de faire aussi. Donc c'est bien que tout soit automatisé, c'est voilà vraiment. Vous pouvez vraiment faire confiance totalement à Dialine. Moi j'ai une grande confiance en elle et c'est vraiment important aussi d'avoir confiance. Dialine qui dit qu'il va rougir. Non, c'est moi qui limite ému là, tu vois. C'est bizarre. En plus, moi j'ai eu la chance de rencontrer Dialine physiquement, enfin en présentiel, lors d'une formation qu'elle a faite. Et je peux vous dire qu'elle est. Qu'elle est comme on la voit, comme vous la voyez là, à travers ses lives, à travers ses publications. Voilà, c'est Dialine. Je vais vous dire qu'une chose, c'est de vous lancer, de pas avoir peur de vous lancer, parce que Dialine est là pour à vos côtés. Et comme je vous disais, elle fait ça dans la simplicité. Donc vraiment, c'est des formations. La formation MLM Booster est simple. Voilà, il y a vraiment qu'à suivre pas à pas tout ce qu'elle a mis en place. À dupliquer, ce mot-là, dupliquer, en plus dans le MLM, vous devez connaître. Donc voilà, c'est vraiment ça.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas. Je suis en train de regarder en même temps Dianine qui me dit bravo pour ton évolution et tout ce que tu as mis en place. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, moi, j'ai une petite fierté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Surtout que voilà, moi, c'était un monde que je ne connaissais pas, tout ce qui est automatisation, tunnel de vente. Voilà, tout ce qui est infoprenariat, moi aussi je ne connaissais pas. Voilà, ça a vraiment été une découverte pour moi, une aventure pour moi, mais une belle et bonne aventure parce que voilà, elle aboutit aussi sur des choses vraiment formidables. Donc moi, c'est bien si ça peut, ça me permet justement de développer, je vous disais, mon activité, mon business, mon réseau, enfin voilà. Donc c'est important aussi ça de comprendre ça, que les formations d'Yaline sont là pour vous aider, pas pour vous aider, pas pour vous freiner, pardon, au contraire, pour vous aider. Et Yaline qui me dit en plus, tu te lances dans le triptyque, tout à fait, avec le business en ligne et IMO. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai aussi cette fierté-là de me lancer dans l'immobilier grâce à Yaline. Parce que j'ai suivi aussi voilà, son parcours et sa formation qu'on a fait à Dijon, qui nous a vraiment, enfin, moi ça m'a vraiment boosté voilà, pour être dans l'immobilier. Voilà, chose que je voyais de loin ou que je m'étais dit que c'était pas accessible. Et finalement, grâce à Dialine, tout devient accessible. C'est ça qui est formidable, c'est que voilà, elle vous ouvre les portes, elle vous dit que vous êtes capable, et c'est vrai, on est tous, toutes capables, bien au contraire. Faut juste voilà, sortir de sa zone de confort et se pousser un peu, voilà, mais voilà, et Dialine est là, elle nous guide, donc il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'ai fait des visites en immobilier ce week-end. Voilà, ça se prépare petit à petit après le confinement. Parce que bon, voilà, c'est aussi, il y a eu le confinement. Donc les visites en immobilier, c'était un petit peu compliqué. Mais là, voilà, ça reprend tranquillement. C'est formidable entre les tunnels en automatisation, pardon, et puis l'immobilier qui reprend. Enfin, voilà, c'est vraiment un développement. Je dirais développement professionnel qui grimpe, développement personnel aussi, parce que voilà, c'est bien aussi, ça fait du bien aussi, voilà, à nous. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, voilà, si vous regardez en replay, si vous avez d'autres questions qui vous viennent comme ça, il n'y a pas de souci, je répondrai. Et Dialine est là aussi pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'être là avec moi aujourd'hui sous j'allais dire sous ce beau soleil. Oui, parce que nous à Tours il fait beau, donc c'est agréable, ça fait du bien. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, et surtout, voilà. Lancez-vous, faites confiance à Dialine, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, aucun souci. Au contraire, c'est une entrepreneur formidable. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis lancez-vous. Merci.